Le thème cette année, c'est En piste les artistes. L'idée, c'est de travailler autour de l'art en général. Donc les écoles se sont plus spécialisées dans tout ce qui était cirque. Donc ils ont travaillé à travers différentes œuvres qu'ils ont pu faire avec la MJC. Sur cet atelier-là, ils sont en train de peindre, de le mettre en couleur par rapport au dessin que du coup j'ai fait dessus. Sur les pantins, ils sont en train de mettre du coup la couche d'après en blanc pour pouvoir le peindre la semaine prochaine. Et là-bas, ils sont en train de dessiner les personnages pour qu'on puisse avoir une idée de comment on va habiller nos personnages avec les tissus que les parents ont ramenés. Je fais le pied du papier mâché en blanc, du cracheur de feu et le lanceur de couteau. Aussi bien les clés que les ateliers de quartier ont travaillé sur essentiellement des artistes plus particuliers. On a pu voir Mondrian, on a pu voir Picasso, on a pu voir Monet, on a pu voir pas mal d'artistes qui ont été vus et revus par les enfants. On a aussi travaillé sur le street art, la petite enfance qui travaille aussi sur ce projet. Graines de scène, qui s'est produit sur la scène de la lanterne ces deux dernières semaines. Là, aujourd'hui, on a un condensé de ce spectacle. Alors le cyberespace, qui fait partie du département éducation jeunesse, a travaillé sur un gros projet de dessins réalisés sur informatique. Il y a plus de 1800 dessins qui ont été réalisés par les enfants. Donc nous avons réalisé au cyberespace une animation avec les adolescents nommée Derive Art, où justement ils transformaient les images de la ville de Rambouillet en images irréelles à l'aide de portables, de choses de ce type. Nous avons aussi fait des animations informatiques sur les écoles, durant les temps méridiens, sur Archimboldo, sur Picasso, et puis des dessins retravaillés par ordinateur concernant aussi notre jolie ville de Rambouillet. Actuellement, nous faisons un petit clip vidéo nommé Pirouette Cacahuète avec un système d'image par image permettant de faire un film d'animation pour illustrer la musique qui a été créée par les enfants. Là, ils sont en train de chanter cette musique. La MJC, elle intervient aussi pour faire une initiation au hip-hop, parce que l'art, c'est aussi la danse. Voilà, l'idée c'était un peu de travailler sur les arts en général avec les enfants et il y a énormément d'activités, énormément d'arts plastiques à mettre en œuvre sur ce genre de thèmes.